Va à Bethel. Témoignage du frère Lizungimbula. Chapitre 1. Dans l'antre du diable. Introduction. Chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom du glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de commencer ce témoignage, je vous convie à lire tous avec moi le psaume chapitre 27 verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Mon nom est Lizungimbula. Je suis né au Zaïre, République démocratique du Congo, le 1er janvier 1955, dans la zone d'Isangi. Sous-région de Tchopo, région du Haut Zaïre, province orientale, dans une famille chrétienne protestante baptiste. Comme la majorité des habitants de ma sous-région, mon père était pêcheur. C'est donc grâce à la vente des produits de la pêche que mon père subvenait aux dépenses de la famille et de ma formation scolaire. L'histoire que je vais vous raconter est une suite d'événements mystérieux que j'ai personnellement vécu. Je vous préviens que les faits que vous allez lire dépassent tout entendement naturel. J'ai pratiqué la magie pendant plus de 10 ans. Vous n'êtes pas obligé de me croire. En revanche, je serai quitte de mes obligations après vous avoir raconté ces faits. Telle est la mission que j'ai reçue du Seigneur Jésus, à savoir dévoiler ces choses longtemps cachées. Je sais qu'il y aura parmi vous des personnes qui verront mal mes propos. À celles-là, je demande de vous en prendre non à moi, mais à celui qui m'a envoyé vers vous. Mon but, en vous apportant ce témoignage, est de dévoiler au grand jour les ruses du diable et de libérer, avec l'aide du Seigneur bien sûr, certains de nos frères et sœurs qui sont encore malheureusement liés à Satan et à ses pratiques ténébreuses par ignorance, selon qu'il est écrit. Mon peuple périt faute de connaissance, Osée chapitre 4 verset 6. Pendant plus de 10 ans, le diable m'a tenu dans cette ignorance, en essayant de me convaincre que sa puissance était au-dessus de toutes les puissances. Mais Dieu est amour, il m'a relevé de la boue où j'étais et j'écris maintenant tout ce qu'il a fait pour mon âme en guise de témoignage. Alléluia! Je n'ai pas pratiqué la magie par aventure, mais plutôt par nécessité. Les circonstances de la vie, et surtout la pauvreté de mes parents, ont été pour beaucoup dans cette conduite. Après mes études primaires et secondaires à Yangambi, je me suis dit qu'il serait mieux que je continue mes études supérieures. Ainsi, je pourrais travailler une fois pour toutes, au lieu d'interrompre mes études, de travailler pendant un temps, puis de continuer les études. J'ai quitté Yangambi pour Kisangani en 1973. À Kisangani, j'habitais chez ma cousine. Cette dernière se débrouillait tant bien que mal pour nourrir sa famille. Mon beau-frère était sans emploi, et ma présence chez elle l'indisposait. Parfois, pendant la nuit, il battait sa femme parce que, d'après lui, elle ne lui fournissait pas assez de nourriture, chose qu'elle ne faisait d'ailleurs pas. J'ai vite compris que mon beau-frère ne voulait plus de moi chez lui. Quant à vous, mes chers frères et sœurs en Christ, pratiquez l'hospitalité. Romains chapitre 12 verset 13. Il m'arrivait parfois de rester à jeûne pendant 2 ou 3 jours. J'avais maigri, j'étais sale et souvent malade. Ma situation sociale était connue de tous, tant par mes camarades que par un grand nombre de mes professeurs. J'étais à bout, ne sachant que faire, sinon abandonner mes études et rentrer chez moi. Mais l'idée du chômage me chagrinait. Je persistais donc, tout en priant. Je demandais à Dieu de me venir en aide. Toutes mes prières restaient lettres mortes. J'en étais venu jusqu'à douter de l'existence de Dieu. Je me disais, mon père est chrétien et il prie tous les jours. Chaque dimanche, il assiste au culte et donne son offrande s'il en a la possibilité. Pourtant, il demeure toujours pauvre. Moi aussi, je vis la même situation. Je suis très pauvre, souffrant, affamé et très sale. Quel mal avons-nous commis, mon père et moi, pour que le ciel puisse nous punir ainsi? Le Dieu miséricordieux, le Dieu tout-puissant dont mon père m'a tant parlé avec admiration, existe-t-il réellement?
S'il existe, pourquoi permet-il que je passe par de telles épreuves? Devant toutes ces questions demeurées sans réponse, j'en étais venu à conclure que Dieu n'existait pas et que c'étaient les prêtres et les pasteurs qui l'avaient créé dans le but de nuire aux naïfs. La réalité était claire et nette. Dieu n'existait pas. Tel était mon raisonnement. Longtemps après, j'ai compris pourquoi Dieu n'exaucait pas mes prières. Je priais et demandais à Dieu, sans pour autant recevoir ce que j'avais demandé, parce que je demandais mal. Je demandais non pour accomplir les plans de Dieu en moi, mais plutôt pour assouvir mes propres désirs, Jacques chapitre 4 verset 3. Un jour, mon professeur de botanique systématique m'invita chez lui. En cours de route, il me dit avoir entendu ses collègues se plaindre à mon sujet. Alors il me proposa d'habiter chez lui. J'accueillis cette bonne nouvelle avec une grande joie. Je déménageai aussitôt de chez ma cousine, pour me rendre dans ma nouvelle habitation. Chez mon professeur, ma condition sociale s'améliora. Je recouvrai la santé et je consacrai la plupart de mon temps à mes études. L'initiation. Un soir, alors que je révisais mes cours, mon professeur entra dans ma chambre et me dit « Moi je trouve que tu es bien ici et tes études vont bon train. Mais une chose est certaine. Si tu continues dans la vie à cette allure sans aucune protection, tu ne feras pas long feu. Car, sans ce moyen que je veux mettre à ta disposition, tu pourras peut-être terminer tes études et travailler, mais tu demeureras toujours pauvre et malheureux. Je vois comment tu te sacrifies pour aider les tiens. C'est bien, je l'approuve. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui me pousse à te venir en aide. Heureusement pour toi, car j'ai songé à ton avenir. Je te demande une chose. Sois patient et courageux, car je te remettrai une puissance. 4 jours après cette entrevue, mon professeur m'amena un catalogue. Il me parla de le lire tranquillement et attentivement. Il m'accorda 3 jours pour le lire. Après quoi, je devais choisir, parmi les différents sujets présentés, ceux qui m'avaient intéressé. Le catalogue en question traitait de sujets de la vie courante et de prières d'incantations magiques. Il y était question de la magie, surtout des applications des phénomènes magiques aux différents domaines de la vie courante. Du fait que j'étais étudiant, je choisis les sujets qui avaient trait à mes occupations. J'ai donc choisi le bic magique, la pilule égyptienne et le mouchoir magique. À côté de chaque sujet figurait une légende qui présentait l'utilité et le mode d'emploi de chaque article. Un jour après la remise du catalogue et de mes préférences au professeur, il m'amena le bic, le mouchoir, ainsi que la pilule égyptienne. Soulevant chaque objet l'un après l'autre, le professeur me dit « Ce bic magique a le pouvoir d'écrire tout seul. Il suffit de le mettre entre les feuilles lors d'un examen, et il écrit tout seul les bonnes réponses. Mais pour ne pas attirer l'attention des autres participants, tu pourras faire semblant d'écrire, ou de griffonner n'importe quoi sur la page. À la correction, le correcteur ne verra que les bonnes réponses. Cette pilule égyptienne a pour fonction de stimuler les mémoires faibles. Le professeur me tendit la pilule et partit chercher de l'eau. Il me demanda d'avaler la pilule en buvant l'eau qu'il m'avait donnée, ce que je fis. Ensuite, il poursuivit. Ce mouchoir de domination servira à imposer ta volonté aux autres. Il te suffira de le passer 2 fois sur ton visage et toutes tes suggestions seront admises à l'unanimité. Le professeur s'assit et me considéra en silence d'un air grave. On aurait dit un père qui voulait confier à son fils une tâche qu'il savait d'avance pénible. Puis il me dit ceci. Pendant 2 ans, tu ne devras manger que des aliments crus. À partir de cette date, il ne me fut plus possible de manger des aliments préparés, ni même salés. Car il faut utiliser de la chaleur pour la fabrication du sel, et le sel était aussi interdit. Je ne me nourrissais que de fruits, d'œufs crus, et de certaines racines comme des tubercules. Carottes, manioc, patates douces, etc. Je pouvais obtenir ces aliments sans peine, du fait que je vivais chez le professeur. Après 2 ans, je repris un régime alimentaire normal.
Je ne peux continuer la suite de ce témoignage sans vous préciser que le professeur polonais dont il est question ici est un prêtre de l'Église catholique romaine. Le fait qu'il m'ait invité à vivre chez lui avait suscité en moi des sentiments de culpabilité, à cause des conclusions que j'avais hâtivement tirées concernant la non-existence de Dieu. Car je m'étais dit que Dieu existait quand même, et que c'était lui qui avait envoyé son serviteur à mon secours. Quel ne fut donc pas mon étonnement de voir un prêtre catholique m'initier à la magie indienne. L'attitude de ce prêtre confirmait en moi l'idée que Dieu n'existait pas réellement. En effet, si Dieu existait, c'était les prêtres qui avaient le plus de chances de mieux le connaître, du fait de leur position privilégiée. D'après le catéchisme de l'Église catholique romaine, les prêtres ont pour rôle de servir d'intermédiaire entre Dieu et les fidèles. Malgré le fait que ce prêtre célébrait la messe chaque jour, il connaissait la vérité, et cette vérité était que Dieu n'existait pas. C'est pour cela qu'il me révélait le chemin par excellence, celui de la magie, donc celui du bonheur. Tel était mon raisonnement à ce moment-là. Une année après que le professeur m'ait interdit de consommer des aliments préparés, je constatais une grande transformation dans mon être. J'étais devenu très intelligent. Je pouvais lire dans les pensées de mes interlocuteurs. Je pouvais connaître leur identité, leur date de naissance et leur adresse, sans qu'ils ne m'aient rien dit auparavant. Tous les cours me semblaient être de simples révisions. Durant les 4 années passées dans l'enseignement supérieur, je ne fis que me distinguer, de la préparatoire au 3e graduat. Lorsque les 2 années d'observance du régime alimentaire imposé par le professeur furent accomplies, ce dernier ne cacha pas sa satisfaction à mon égard. Il me promit d'entamer des choses sérieuses avec moi. Il me dit : « Mais avant d'en arriver là, je vais te remettre une protection. » À partir de ce moment, je pus manger tous les aliments de mon choix et consommer toutes les boissons possibles. L'interdiction était levée. 2 semaines passèrent, après que le professeur m'eut promis la protection en question. Il m'amena un nouveau catalogue intitulé « Atlas de bonne chance en toutes choses ». Cette fois, sans consulter mon point de vue, il m'indiqua un sujet dans le catalogue et me dit « Je te remets la grande force divine du grand Ashanti ». À l'aide d'une paire de ciseaux, il coupa une mèche de mes cheveux et la mit dans un flacon. Ensuite, il préleva un peu de poussière sous mon talon droit et l'enveloppa dans du papier blanc. Il m'expliqua « Ces choses ainsi prélevées de ton corps serviront à te garder, dans les moments difficiles. » Il déposa ces choses dans un tiroir, puis ajouta « Cette force divine a le pouvoir de te protéger contre les balles, les morsures de serpents, les sorciers, contre la mort par noyade, par le feu, par asphyxie ou par accident. Elle te donne aussi une protection contre tout ennemi visible ou invisible. Bref, contre tout danger et tout mal. » Le professeur tira une bague à 6 bijoux de sa poche, me la donna et me dit « Ce talisman te donnera la force nécessaire pour lutter contre 21 personnes, et de les vaincre. Tu pourras dépasser les lois physiques de la nature au gré de ta volonté. L'apesanteur, l'altitude, l'espace et le temps. L'expérimentation. Doté de toutes ses puissances et de ses protections, je résolus de les expérimenter. Ce n'est pas que je doutais de la véracité des paroles du professeur, mais je voulais d'abord tester ma puissance et ensuite me prouver à moi-même que j'étais important. C'est en vue de ces choses que je mis volontairement du poison dans ma nourriture. Lorsque j'approchai ma main du bocal qui contenait la nourriture empoisonnée, il se brisa de lui-même en plusieurs morceaux, avant même que ma main ne le touche. Un jour, des amis tentèrent de m'empoisonner. Ils déposèrent une couche d'acide sulfurique en poudre dans l'assiette qui m'était réservée, et m'invitèrent à dîner. Ce ne serait pas trop dire que d'ajouter que je savais à l'avance que mon assiette était empoisonnée. Si j'avais refusé de manger, ils se seraient doutés de quelque chose, ou qu'un traître parmi eux m'avait informé de leur infamie. Alors, pour convaincre mes amis de ma supériorité sur eux, il me fallait manger ce plat empoisonné. Devant tout le monde, mon assiette tomba au moment où ma fourchette toucha les aliments, renversant ainsi son contenu.
Puis tard, mes amis s'excusèrent et me confessèrent leur acte. Ils me dirent que leur mauvaise conduite à mon égard leur avait été dictée par ma vantardise et mon orgueil à leur égard. Ce qu'ils disaient était vrai. Je voulais qu'ils sachent que je n'étais plus un homme ordinaire. Mon but était atteint, car à partir de cet incident, mes amis rectifièrent leur position à mon égard. Ils me considéraient comme un surhomme, protégé par des êtres invisibles. Aucun d'eux ne pouvait plus penser du mal de moi sans éprouver des sueurs froides. C'était là mon désir. La folie des grandeurs. J'étais donc invulnérable. Les femmes ne me disaient rien qui vaille. Mais, avec mon mouchoir magique, je pouvais briser leur volonté et les obliger à faire ce que je voulais qu'elles fassent. Un jour, je me disputai une femme avec un militaire, un commando, uniquement pour me faire de la publicité. Ce commando était réputé pour sa méchanceté dans la région. Lorsqu'il apprit mes amours avec sa concubine, il battit violemment cette dernière. La pauvre femme ne comprenait pas ce qu'il lui arrivait. Elle dépensait l'argent du commando à mon profit. Une fois, il arriva que le commando fut informé par les parents de la fille de ma liaison avec elle. En réalité, cette femme aimait bien son amant, mais, du fait qu'elle était sous mon pouvoir, c'est-à-dire sous l'envoûtement, elle ne pouvait agir à l'encontre de ma volonté. Cette situation était connue de tous et tout le monde en parlait. Le commando était devenu la risée de toute la population de Kisangani. Il était dépassé par le succès que j'avais auprès de sa petite amie, malgré les corrections qu'il lui infligeait. Poussé par la jalousie, car c'était pour lui une question de dignité et d'amour-propre, le commando décida de me tuer. Le pauvre homme ne savait pas qu'en s'agissant ainsi, il réalisait mes plans. Il prit donc la décision de m'éliminer. Seul restait à déterminer l'endroit où aurait lieu mon exécution. Après m'avoir filé pendant plusieurs jours, chose que je savais d'avance, le commando me croisa dans un lieu inhabité. C'était vers 18h30, il faisait un peu sombre. En réalité, c'était moi-même qui avais organisé cette rencontre fortuite, car cette situation n'avait que trop duré, il fallait y mettre un point final. Le commando s'approcha de moi sans mot dire. Il sortit un revolver de l'une des poches de son pantalon, le dégaina, et tira à trois reprises dans ma direction, à bout portant. L'écho des coups de feu se répercuta dans les arbres. Je sentis comme un chatouillement l'impact des balles sur la peau de ma poitrine et de mon ventre. Je me grattai la peau aux endroits où j'avais senti le chatouillement, et je me retrouvai avec les trois balles dans la main. Dans un geste sublime, je les tendis au commando, en lui disant de tirer encore s'il en avait envie. Aucun témoin n'avait assisté à cette scène. L'acte s'était déroulé avec une telle rapidité que son cerveau n'eut pas le temps d'enregistrer cette information. Le soldat resta ébahi, sans comprendre ce qui lui arrivait. Je compris vite qu'il n'avait plus du tout envie de tirer. Il avait perdu la tête et était devenu comme un fou. En réalité, il était bien devenu fou. Quel orgueil fut le mien, lorsque j'expérimentai que même les balles tirées à bout portant ne me causaient aucun tort. L'impossible n'existait plus pour moi. Je pouvais voler dans les airs à la manière d'un oiseau, je pouvais traverser une porte ou passer à travers un mur, je pouvais me rendre invisible si je le voulais, etc. Je réalisais que si Dieu existait, je devais moi-même être Dieu, ou que je n'étais pas loin de l'être. Je n'avais rien en perspective, mais j'étais craint et respecté comme je le voulais. Rien ni personne ne pouvait m'inquiéter. Plusieurs jours après cela, un ami vint me dire qu'il avait entendu dire qu'il y avait un couvent de sœurs catholiques ici à Kisangani, l'une des conditions d'admission était qu'il fallait que la postulante soit vierge. Cette nouvelle m'intéressa beaucoup. L'idée me vint de vérifier cette information sur place. Le soir venu, je me rendis invisible. Je connaissais plusieurs manières de me rendre invisible. Je me rendis au couvent, en état d'invisibilité. Je pénétrai sans problème dans le dortoir des religieuses, et là, je me rendis visible. Utilisant mon mouchoir magique,
Je me rendis maître de toute volonté contraire à la mienne, et j'abusai de ces pauvres religieuses, qui ne purent ni crier ni demander du secours, car tout se déroula en dehors de leur volonté. Mon forfait achevé, je repartis comme j'étais venu. Le lendemain matin, comme pour signer mon acte, je revins au couvent et je demandai aux religieuses si elles étaient toujours vierges. Certaines d'entre elles reconnurent en moi le visiteur nocturne. Faute de preuves et compte tenu de la bassesse de cet acte, aucune n'osa porter plainte contre moi. Certaines religieuses pleurèrent la perte de la virginité qu'elles avaient consacrée au Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui encore je me remémore ces faits honteux. Ma mémoire me fait revivre l'atrocité de cet acte, et je revois la scène de ces jeunes religieuses pleurant la perte de leur chasteté promise au Seigneur. Plus tard, je réalisai la gravité de mon péché lorsque je découvris ces écrits. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Je remercie Dieu pour l'abondance de sa grâce à mon égard. Gloire à Dieu! Il m'arrivait parfois de faire certaines représentations magiques en plein air pour amuser la galerie et pour me rendre populaire. À l'aide d'un fil que les femmes utilisent pour tresser les cheveux, je pouvais arrêter un véhicule en pleine marche et le forcer à reculer sans que le fil se coupe. Cela faisait énormément plaisir aux spectateurs et les gens venaient en masse pour admirer ce phénomène. En réalité, ce n'était pas le Fi qui exerçait une pression quelconque, mais la légion d'esprit qui était à mon service et qui poussait le véhicule en arrière. Le fil n'était là que pour faire illusion. Telle était la face connue de la magie que je pratiquais. En dehors de ces représentations, personne ne pouvait soupçonner ce que j'étais réellement dans la magie, hormis bien sûr le professeur et quelques initiés. J'étais bien connu à Kisangani. Même les petits enfants connaissaient mon nom et chantaient mes exploits. On parlait partout de moi. Cette notoriété me valut quelques problèmes sérieux. Un jour, sans savoir le motif que l'on me reprochait, je vis des agents de l'ordre public venir avec un mandat d'amener qui portait bien mon nom. Je les suivis sans protester, afin de savoir ce qui m'était reproché et connaître par la même occasion l'identité de mon plaignant. Lorsque nous fûmes arrivés à la gendarmerie, l'officier chargé de l'instruction de l'affaire ordonna à ses agents de me jeter au cachot. Avant que les gendarmes se saisissent de moi, je trouvai le temps de dire à l'officier. « Citoyen adjudant, sachez bien que quel que soit le motif, je ne peux être arrêté, jugé, condamné, battu ou emprisonné que si je le veux. » Mes paroles furent comme de l'essence jetée sur une flamme. C'est-à-dire qu'elles attisèrent la colère de l'officier. C'était pour lui une grande insulte que je lui tienne un tel langage en public. Aidé par deux gendarmes, il me bouscula avec une grande brutalité dans le cachot, dont il verrouilla la serrure. Il empocha la clé, afin que personne ne vienne me libérer sans d'abord passer par lui. De retour dans son bureau, il me trouva assis dans le fauteuil. Lorsqu'il entra, je lui dis « Viens, assieds-toi et causons. » Mais mon interlocuteur n'avait plus envie de causer avec moi. En regardant son visage, je vis s'exprimer toute une série d'émotions. De la sérénité, il passa à la colère, puis à un grand étonnement, pour terminer par un sourire béat, hagard, sans expression aucune. L'homme avait perdu le nord et se mit à courir dans la pièce à la manière des petits enfants qui jouent au jeu de cache-cache. Ce n'était pas beau à voir. Bref, l'adjudant était devenu fou. Voyant ce qui lui était arrivé, j'eus pitié de lui. Je courus l'attraper et lui remis son esprit en place grâce à quelques paroles magiques apprises du professeur. « C'est de ta faute !» lui dis-je, quand il eut recouvre ses sens. Je repris. « Si tu avais écouté mes paroles, nous n'en serions pas là. » Pour le consoler, je lui avais donné un gilet pare-balles. Plus tard, il s'ensuivit une bonne camaraderie entre l'officier et moi. L'incident fut vite oublié. Bien que détenant toute cette puissance, je n'avais pas la paix pour autant.
Au début, je ressentis la joie de posséder une force dont d'autres personnes ne pouvaient même pas soupçonner l'existence. Mais, avec le temps, mes désirs augmentaient. Les objets ou les actes qui me procuraient de la joie s'estompaient dans ma mémoire du fait de la monotonie. Comme dit un proverbe, l'habitude est une seconde nature. Je trouvais qu'il était normal que les choses se déroulent comme je les faisais. Plus rien ne m'étonnait et plus rien ne me procurait de la joie. Je remarquai que tout ce que je faisais ne me profitait réellement pas. J'étais populaire, mais sans un sou. Je fis part de cette situation au professeur. Ce dernier me répondit qu'il m'avait tout donné. Il suffisait que je le désire pour obtenir tout l'argent dont j'avais besoin. Avec la bague à 6 bijoux que je possédais, je pouvais faire disparaître des objets de plus de 50 kilos à plus de 50 mètres de distance. Sur le champ, le professeur me donna un objet qu'il appela tube magique. Il me dit : ce tube a plusieurs applications dans le domaine de la magie. Tu peux avec ce tube lire, voir, garder, déplacer, chercher, calculer, évaluer. Il y a plusieurs façons d'obtenir de l'argent. Je ne veux pas t'initier à toutes ces méthodes d'un coup. Mais nous les étudierons progressivement. La première méthode est appelée vol malin. Cette méthode consiste à commander aux esprits errants de vous apporter de l'argent. Vous pouvez spécifier le lieu, la quantité, l'heure et la nature de cet argent. Lorsqu'il apparaîtra, il sera accompagné d'un chiffre. Ce chiffre indique le temps que tu dois mettre pour le dépenser. Cet argent est volé dans des magasins ou des banques par des esprits errants, voici à présent les conditions relatives au vol malin. Avec cet argent, tu ne pourras acheter aucun bien durable. À l'heure convenue, tout l'argent devra être dépensé. Tu vois qu'en dehors de ces deux conditions, tu peux faire de cet argent tout ce que tu veux. Voici la punition réservée à ceux qui ne respectent pas nos exigences. Soit ils meurent, soit ils deviennent fous. Quelques explications sont nécessaires pour une meilleure compréhension. Nous appelons cette méthode vol malin parce que le vol ne sera pas découvert, du fait que l'argent sera remis à sa place avant que le propriétaire ne se rende compte de sa disparition. Tu ne dois pas acheter des articles durables, car tout doit disparaître à l'expiration du délai imparti. Ce qui fait que si tu gardes cet argent, tu risques de mourir. Après avoir acheté un article non durable. Si l'argent que tu remets au vendeur est mis ensemble avec de l'argent ordinaire, cet argent disparaîtra en même temps que l'argent ordinaire, après le délai. On n'obtient rien pour rien dans ce monde, mon fils. Cet argent ordinaire qui disparaît sert à renflouer les caisses secrètes et servira plus tard à acquérir d'autres clients. Si nous sommes sans pitié pour les récalcitrants, c'est parce que si l'argent n'est pas épuisé, c'est nous qui devons combler le vide qui manque. Donc, si le client meurt, c'est pour qu'il vienne travailler pour nous pour rembourser l'argent que nous avons dû verser à sa place. Si le client devient fou, c'est que l'argent ordinaire disparu a suffi à combler les pertes, sans que nous subissions de dommages. Mais le client sera quand même puni pour avoir enfreint les ordres et aussi pour nous avoir fait travailler pour rien. Expérimente d'abord cette méthode. Lorsque tu découvriras ces inconvénients, je t'enseignerai une autre possibilité. Souviens-toi de mes paroles. Patience et courage. En attendant, amuse-toi bien. Je retins bien chaque mot prononcé par le professeur. Quelques jours après cet entretien avec le professeur, après avoir pesé le pour et le contre du vol malin, je me décidai à l'expérimenter. Assis dans mon salon, je mis à exécution les procédures destinées à obtenir de l'argent. Tout comme me l'avait dit le professeur, je spécifiais bien les données. Le lieu, l'heure, la quantité ou le nombre, et enfin la nature des espèces demandées. Pour le lieu et l'heure, j'avais indiqué que l'argent apparaisse sur la table de mon salon à 14 heures. En ce qui concerne la quantité et la nature de l'argent, j'avais spécifié 20 kilos en coupure de 10 aïres. Je commis une erreur en ce qui concerne la quantité, car, à 14 heures, une montagne de billets de banque en coupure de 10 aïres apparut sur la table.
Il y avait une note au destinataire indiquant le chiffre 10. Ce qui indiquait que j'avais 10 heures devant moi pour évacuer de ma table cette montagne d'argent. Après calcul, je trouvai qu'il me faudrait avoir tout dépensé à minuit juste. Une joie mêlée de crainte s'empara de moi lorsque j'empochai des quantités de billets de banque afin d'aller les dépenser. À la sortie de ma chambre, la première personne que je croisai fut le domestique du professeur. Il me demanda une cigarette et je lui remis 500 aïrs en coupure de 10. Poursuivant mon chemin, j'empruntai un taxi pour qu'il me dépose au centre-ville, vers les magasins. Je remis au conducteur le quintuple du prix normal de la course. Pour ne pas éveiller sa curiosité, je le complimentai en lui disant que c'était parce qu'il m'avait conduit rapidement à l'endroit souhaité que je lui faisais cette faveur. En ville, je contemplai les articles à travers les vitrines des magasins. Une chemise attira mon attention. Au moment où j'allais entrer pour l'acheter, j'entendis une voix qui me disait « Pas d'article durable ». Cette voix m'était familière, c'était celle du professeur. Je me dis, en m'éloignant du magasin. Le professeur m'aime beaucoup, il ne veut pas que je meure ou que je devienne fou. C'est pourquoi sa voix me parvient jusqu'ici pour me prévenir du danger de la désobéissance. Je dirigeai mes pas vers un restaurant européen. Puisqu'il m'était interdit d'acheter des articles durables, autant dépenser pour la nourriture, pour me venger. Je commandai des mets coûteux. Tout l'argent que j'avais emporté était épuisé. Je hélai un taxi et informai le conducteur qu'il recevrait le prix de sa course lorsqu'il m'aurait ramené à l'endroit où il m'avait pris. J'eus un haut-le-corps en arrivant dans le salon où se trouvait l'argent. L'argent que j'avais pris avant de sortir avait été remplacé par d'autres billets. Était-ce la réalité ou avais-je rêvé? Je ne sais pas. Il était 15 heures à ma montre et l'argent était encore très abondant sur la table. J'empochai une grande quantité d'argent, supérieure à la première, et je sortis. J'étais tourmenté par l'idée qu'à mon retour, je trouverais peut-être une autre quantité d'argent qui aurait remplacé ce que j'avais emporté. Le chauffeur m'attendait au volant de sa voiture. Sans mot dire, je pris place à côté de lui. Mes idées étaient ailleurs. Je me dis que celui-ci en aurait pour son compte quand il verrait sa caisse vide le lendemain matin. Le taxi me déposa à la même place où il m'avait pris. C'est-à-dire au restaurant européen, je lui remis une importante somme d'argent, sans rien lui dire, car lui-même était conscient que je l'avais fait attendre longtemps. Ce jour-là, certains de mes amis se trouvaient dans le restaurant. Je me souviens avoir offert une tournée générale à mes frais. Tout le monde mangea et but à mes frais. Cela me faisait du bien de sortir l'argent de mes poches pour le dépenser à la vue de tout le monde avant que mes convives ne terminent leur consommation, j'exigeai la facture. Je payai cash et je m'éclipsai, de peur que certains curieux ne se mettent à poser des questions sur la provenance de cet argent. Je fis plusieurs va-et-vient entre la maison et le centre-ville pour évacuer les 20 kilos de billets de 10 aïrs. Cela peut vous paraître simple. Mais dépenser une telle somme en 10 heures, à qui s'en gagne, en 1976, n'était pas chose facile. À 22 heures, il y avait encore une grande quantité d'argent sur la table. Une sueur froide s'empara de moi, et je fus saisi d'une peur atroce. Peur de mourir, peur de devenir fou. Je me rappelai les paroles du professeur lorsqu'il me recommandait le courage et la patience. Un peu de calme revint alors en moi. Je me dis que j'avais encore 2 heures devant moi et qu'il n'était pas question de me laisser aller au découragement. Il fallait changer de tactique de dépense. Oh, mes chers frères et sœurs, il est meilleur de travailler pour Jésus que pour Satan. Car le joug de Jésus est doux et son fardeau léger, Matthieu chapitre 11 verset 30. Je me rappelle encore cette nuit comme si c'était hier. Je jetai l'argent en l'air dans une cérémonie funèbre, dont je ne connaissais même pas le défunt. J'entrai avec précipitation dans un bar, et je demandai aux consommateurs quels étaient leurs goûts.
puis je vidai mes poches devant eux sans pour autant toucher à un seul verre, de peur de m'enivrer et de ne pas pouvoir dépenser tout l'argent que je possédais. C'était pitoyable. Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Vers 23h30, il ne me restait plus que quelques liasses de billets de banque sur la table. Le domestique du professeur, au lieu d'acheter seulement la cigarette qu'il m'avait demandée, s'était aussi payé à boire. Pendant tous les va-et-vient que j'avais faits, j'avais remarqué une forme allongée dans la cour, mais je ne savais pas que c'était le domestique. Le pauvre homme, appliquant le principe romain disant qu'il faut profiter du jour, avait dépensé tout l'argent. À présent, il dormait dans la cour, ivre-mort. À minuit, il ne me restait plus un sou, et je pus pousser un ouf de soulagement. Cette nuit-là, dans mon lit, je réfléchis à tout ce que j'avais fait dans la soirée, en contemplant le plafond de ma chambre. Je conclus qu'à l'avenir, je ne demanderai que des sommes inférieures à 20 kilos. Quelques jours plus tard, j'eus à nouveau recours au vol malin. Cette fois-ci, je m'abstins de grossir la quantité, de peur de revivre la même situation que la première fois. Je remarquai que le temps fixé pour dépenser l'argent n'était pas constant dans chaque cas. Il variait en fonction de la quantité demandée. Plusieurs jours passèrent. Je constatai que l'argent, obtenu par la méthode du vol malin, ne m'était d'aucune utilité. Il m'était défendu d'acheter un simple slip, pas même un mouchoir de poche. Si je tentais de le faire, je risquais la folie ou la mort. Mes parents étaient toujours pauvres. J'étais incapable de leur venir en aide. Je ne pouvais pas leur envoyer mon argent. De peur qu'ils ne le mettent avec leurs économies. Et que le tout disparaisse lorsque le délai imposé aurait expiré.